fils de la brasseur. Aujourd'hui, on vous brasse une bière de Noël. Oh, l'Halloween est fini, fait deux jours, fait que c'est le temps de préparer nos bières pour le temps des fêtes. Fait que c'est le mou du vendredi qu'on a fait. Fait que on va vous montrer un peu comment on a fait la recette. Puis la recette va être disponible en achat au brasseur sur le site web. Fait qu'on va vous mettre le lien pour que vous soyez capable de le trouver en dessous de la description de la vidéo. Fait que c'est parti pour une bière de Noël. Ouais! Pour la marche, fait que, on met les grains dans l'eau puis on continue ça. Hop. On a un beau 162 présentement. On veut mâcher environ à 160, 161. C'est parfait, on va installer les fusions. On a juste le flot pour ne pas aller trop vite. Notre mâche, fait qu'on va mâcher environ pendant une demi-heure à 45 minutes, dépendant de la transformation enzymatique. Puis, on vous explique c'est quoi la bière de Noël, pourquoi elle est si intéressante. La bière des fêtes, c'est quoi? Je vous explique ça super simplement. C'est une bière qu'on va être un petit peu plus rouge que d'habitude pour rappeler la belle tuque que j'ai présentement sur la tête. Ça va être aussi une bière qu'on va avoir un peu les goûts de pain d'épices, qui veut dire qu'on va avoir de la muscade, de la cannelle, du clou de girofle, moi j'aime pas ça, fait que j'en mets pas. Il va y avoir du gingembre frais qu'on va rajouter pendant l'ébullition à 15 minutes avant la fin. Puis on va mettre un petit peu une petite étoile anisée, juste pour donner un petit goût tout petit. La recette, comme je vous ai dit tantôt, va être disponible dans la description. Vous allez avoir le lien pour aller l'acheter sur le site du brasseur. Fait que si jamais ça vous tente de la faire, ben juste à commander la recette, puis on va vous l'envoyer, vous passez en magasin et la chercher. Formation enzymatique. Juste un petit peu d'iode. Puis on voit qu'elle disparaît vraiment bien. Fait que la transformation est terminée. Et de couleur marron. Transformation enzymatique terminée. Fait qu'on ne t'apprendra pas le transfert. On va prendre le mou dans notre cuve d'empattage. On va la passer par notre cuve tampon. Puis on va l'envoyer dans notre mâche dans notre cuve d'ébullition pour commencer l'ébullition. Après ça, on va prendre l'eau de rinçage qui va être dans notre hot liquor tank, puis on va l'envoyer dans notre mash tun pour rincer tranquillement. Cette fois-ci, à cause des volumes d'eau qu'on a, on va juste faire un fly sparge. Fait que c'est parti. Petit rappel à la maison, tout le temps faire la transformation enzymatique avec l'iode. Pour notre fly sparge, on va prendre notre eau, on y va tranquillement, on rince les drèches comme vous pouvez le voir. Puis par la suite, on continue à l'envoyer dans notre cuve tampon qui va l'envoyer dans notre cuve d'ébullition. On va prendre notre échantillon de fin de rinçage, puis on va l'utiliser dans le réfractomètre pour voir combien qu'on est rendu. Petit échantillon. Juste une goutte. Puis on va pouvoir voir à combien qu'on est amplement. On est à 14,9. Fait qu'en même temps, on voit un peu la couleur que ça va donner. Ça va être un petit peu plus foncé que ça parce qu'on va caraméliser dans notre bol. Toujours bon goûter. Très bon. On va repartir à la pompe numéro 2. On continue notre transfert vu qu'on est correct. Puis on se revoit pour le boy. On va commencer par couper nos ingrédients qu'on a besoin pour mettre dans notre bière. Fait qu'on va préparer nos épices. Pour les proportions, je vous le dis tout de suite. C'est au goût.
Fait que on va préparer ça à peu près parce qu'on aime ça. Puis au pire, nous, qu'est-ce qu'on va faire durant l'ébullition, c'est qu'on va juste les goûter les 15 dernières minutes. Fait que toutes les épices, moi, j'y rajoute les 15 dernières minutes avant la fin de l'ébullition. Fait que pour la présentation, nous avons là, les bâtons en cannelle ici. On va aller après ça avec de l'étoile d'anis. Comme ça. On va mettre de la muscade. Et on va mettre de la gingembre. On y va, c'est parti. Toujours faire attention à nos doigts. Donc on coupe les racines de gingembre. Ça commence déjà à très bien sentir. Je fais des petits morceaux parce que je viens d'avoir. Ça goûte le plus possible. Pour moi, ça, ça va être assez bon. On va le couper un petit peu. Pas plus que ça. De la petite à côté de notre planche. On va les sortir. Deux étoiles d'anis. Comme ça ici qu'on va mettre dedans. Puis on va juste les casser pour être sûr que ça donne un petit peu quand même de goût. Ça va non plus partout, hein? Puis on va utiliser de la cannelle en bâton. Encore une fois, c'est au bout. Vu qu'on a 100 litres, on va mettre deux bâtons qu'on va juste casser. Puis ben, la muscade, ben, on va y aller, vu qu'on a déjà dans l'enveloppe, on va y aller simplement avec le goût tantôt. Fait qu'on est rendu au moment que tout le monde aime le plus, au mi-cube. Fait qu'on commence. Et après ça, ça va être déjà la partie d'ajouter les houblons. C'est comme qu'on peut voir, ça commence déjà à bouillir. Fait qu'on va placer notre minuteur par la suite pour être sûr que tout est correct. Donc on va y aller avec le empty out en premier. Après ça, on rajoute aussi aux 60 minutes du chinook. On a décidé de prendre du chinook québécois. Du chinook québécois. Fait un 56 grammes. Par la suite, il va nous rester un 35 grammes 15 minutes avant la fin avec nos épices. Donc on va aller le peser ici. Ça ici. Ça ici. Puis c'est parti pour un beau 60 minutes de boil. Fait qu'on est rendu à mettre les épices. Il reste 10 minutes au boil, 5 minutes au boil. Fait qu'on va tout rajouter les épices au complet qu'on a parlé tantôt. Fait qu'on y va. Fait qu'on va mettre la carragénile en flocon pour éclaircir la bière. Ça ici c'est fait. Puis on va rajouter notre petite planche. Au bière de Noël. Nos épices ici, gingembre, cannelle et petite étoile. Et bien sûr notre muscade. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, on va y aller pas mal à l'œil pour donner un petit goût de pain d'épices. Ça, on va laisser macérer puis qu'on va refroidir, on va goûter. Si on trouve que c'est pas assez, on va pouvoir soit en rajouter un dryer ou soit on va pouvoir juste en rajouter un refroidissement. Pendant qu'on refroidit, on aura pour une demi-heure quasiment tout rempli. Fait que ça va être correct. Pendant que ça sonne, on va mettre le dernier chinook, un petit 36 grammes de chinook.
petit Chinook. Et il nous reste un gros 5 minutes à attendre que tout soit fini avant de commencer à refroidir. Qu'est-ce qui est important ici vraiment? On va expliquer un petit peu le boil, qu'est-ce qu'on ne fait pas d'habitude. C'est qu'il ne faut pas mettre le couvercle. Il faut laisser tout évaporer vraiment au complet. Il ne faut pas que ça retombe dedans. Le but, c'est vraiment de sortir les mauvais goûts et les mauvaises protéines de la bière. Fait qu'on laisse tout le temps ouvert au complet et on ne met pas de couvercle. On se voit tantôt. On est rendu au refroidissement. Fait que c'est pas mal la bonne température. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la pompe puis aller juste par gravité dans notre chose. Vu qu'on fait une journée de brasse, on va arrêter nos chaisers à 20 litres. Fait qu'on va avoir 5 fois du 20 litres. Fait que c'est parti, on éteint ça. Et on rallume. La température va descendre à bonne température parce qu'on y va plus tranquillement. Notre tour continue. Puis présentement, on a mis deux passoires. Les passoires vont servir à un, filtrer s'il reste des dépôts, la muscade, l'étoile anisée ou les bâtons de cannelle. Puis l'autre chose aussi que ça va faire, ça va nous aider à oxygéner notre moût. Fait que c'est parti pour le transfert en fermentation. Puis en plus de ça, on va pouvoir vous montrer un peu la couleur. On va mettre le couvercle contre la bactérie. Belle couleur brune rouge là, ça va être parfait pour une bière de Noël. Fait qu'on va prendre notre densité après, on le laisse refroidir un petit peu pour prendre notre densité. Hey mes petits lutins, comme fils de brasseur est encore occupé avec ses clients comme d'habitude, c'est moi qui fais une fils de densité aujourd'hui. Fait que je pense de manière que ça marche là, parce que j'ai jamais fait encore là. Moi la seule affaire que je fais, c'est écouter toutes ces vidéos puis donner un coup de main quand ces clients sont pas là. C'est la seule affaire que je trouve plate, c'est j'ai pas le droit de boire ici parce qu'il y a pas d'alcool. Fait que, on va mettre le petit densité dedans, il m'a déjà dit d'aller bien tranquillement pour être sûr de pas le casser. Puis on le laisse flotter. C'est super cool! Êtes-vous prêts pour Noël, vous autres, mes petits lutins? Avez-vous commencé à faire vos bières pour la fête? Parce que moi, dans le temps des fêtes, j'ai un maudit de la bière, parce que j'aime ça. Fait que, comme tout est aujourd'hui, on regarde en dessous pour voir que ça a l'air. Fait qu'on dit 12.5678.9. Fait 12.9. Mais, il faut regarder aussi quelle température qu'elle est. Ici, il me dit 0.3 de plus 9, 10, 11, 12. Fait que 0.2 de plus, plus 1, ça fait 0.13. Ça fait 13.2. Ouais, 13.2. C'est tout pour la petite brasse du vendredi. On a fait le mou de bière de Noël du temps des fêtes. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-nous le savoir. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.